Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce nouveau live, cette nouvelle VOD, si vous êtes en VOD, sur Forgotten But Unbroken. Salut Canton, bienvenue sur le live, j'espère que ça va bien. On va découvrir ce jeu qui est édité par Microprose et qui est développé par Centurion Games, que je remercie pour m'avoir permis de le présenter, déjà non seulement de le présenter, mais de le présenter en avant-première. Il sort le 18 novembre, donc dans quelques jours à date de ce live. C'est un jeu de tactico-stratégie sur la Deuxième Guerre mondiale. Il est à 29,99€. On est sur un jeu du style Classified France 44 que j'ai présenté en début d'année. Mais édité par Microprose, il est beaucoup plus difficile. On est sur l'autre front, on est sur le front de l'Est cette fois, plutôt du côté de Prague. Le côté tactique, on va dire, le jeu n'hésite pas à vous balancer 20 ennemis dans la tronche, alors que vous êtes que 3, quoi. Donc il va falloir être un petit peu plus subtil que dans Classified France. Vous allez avoir une gestion des munitions, etc. également, de votre équipement. Vous commencez avec des maquisards, même si je suis pas sûr que ça s'appelait comme ça sur ce front-là, équipés comme des culs, n'est-ce pas ? Donc du coup, le jeu est assez compliqué, et vous allez voir, on va commencer par le tuto, hein, je vais même pas passer en fait réellement le tuto. Où on commence... Alors je le dis, on va le voir, mais je le dis parce que ça m'a fait marrer. On commence en mode, on est 3 contre 2, il faut flanquer l'ennemi, etc. On nous apprend le flanquement, enfin c'est un tactico, là, hein, les couvertures, compagnie, classique. Et quand vous arrivez à éliminer les deux ennemis, et ben on vous dit, en fait, vous avez vu sur la cinématique, vous étiez en sous-nombre, et bim, d'un coup, il y a 7 ennemis qui pop, barrez-vous, combattez héroïquement, et si on perd quelqu'un, on perd le tuto. Donc, c'est salut, bisous, t'as perdu le tuto, en gros. Donc on est sur un jeu qui va être vraiment comme ça. Le but, c'est de montrer qu'on n'est pas là pour rigoler, on est des pions-pions face à la machine de guerre nazie. C'est beaucoup plus sombre que Classified France. Il y a de la rafle de juifs, notamment Prague 1939. La République tchèque qui est totalement envahie et sous contrôle. C'est le début de l'assaut sur la Russie. Le jeu commence sur le début de l'assaut sur la Russie en 1941. Donc c'est quand même un peu plus sombre. Mais il est quand même franchement plutôt très qualitatif, je trouve. On va retrouver des mécaniques classiques de Tactical, mais ça marche plutôt très bien. T'es presque plus SDF qu'Anton. Bah écoute, tant mieux. Alors je vous laisse la petite cinématique. Le jeu est en anglais, je peux préciser, il est complètement en anglais, malheureusement pour l'instant. Pas de français, a priori, pas de français prévu. Mais c'est de l'anglais, même pendant les cinématiques, qui est acceptable, quoi. La vie est une foutue ironie, au moins la mienne. Une fois qu'elle vous a tout pris, elle vous donne enfin l'espoir et la force de faire tout ce que vous vouliez. Martin, si cette mission fail, vous devrez leader les hommes. Mais mon commandant, personne ne mourra aujourd'hui. Compliqué à traduire à la volée. Je vais peut-être laisser le texte et faire un résumé après. En plus, ça va être notre personnage principal, qui en gros est le personnage torturé. Il a perdu sa bien-aimée. Donc au début, en 1939 à Prague, c'est une rafle d'étudiants. Hein. C'est les étudiants qui ont été raflés et assassinés, fusillés par les nazis, puisqu'ils étaient contre la domination nazie. Les juifs, c'est venu après, mais ça a été un des pays où, en proportion, sur les 60 000 juifs qu'il y avait dans le pays au début de la guerre, il y en a 7 000 qui ont survécu, ou 7 ou 5 000 qui ont survécu au camp, quoi. Donc, bon. C'était assez dur. Vous êtes des soldats du Troisième Reich et vous avez un ordre. On a le bon vieux SS des familles, hein. Donc ils étaient en train de charger le camion et il faut décharger le camion pour mettre les troupes dedans. «
haben noch nicht einmal ausgepackt und die zweifeln schon an uns in Berlin. Wohin fahren wir, Kommandant? Wir haben den Befehl, den Feind zu unterdrücken. Hier links. Notre ordre de se débarrasser de l'ennemi. Le fameux ennemi de l'intérieur. Hop là, on est de retour en VOD après un petit crash, désolé. Petit montage. Donc on était en 1939, en novembre 1939, une petite rafle des familles par les nazis à Prague. Visiblement elle s'est fait arrêter, mais pas son copain. Il se fait juste évacuer lui. Ok, on a la petite intro. Et maintenant, on va se lancer. C'est supposé être une mission de routine, mais quelqu'un a fait une grosse boulette. Voilà, c'est parti. Après une sympathique petite intro, on va se lancer dans l'action. Alors, je vais passer le tuto, qui est relativement classique, hein. Nos personnages vont avoir des points d'action, on va pouvoir se déplacer ou agir avec nos points d'action. On va avoir éventuellement du loot sur le terrain. Et pour l'instant, on rencontre le soldat de la Wehrmacht de base. Il fait partie des forces armées du 3ème Reich. Entraînement standard, armement standard, équipement standard, aucune capacité spéciale. Et ils peuvent éventuellement paniquer. Hop là. Donc, voilà, on retrouve le truc assez classique, hein. On va avoir des points de déplacement. On nous indique en bas, là, le fait, la petite balle, là, c'est s'il nous restera assez de points d'action pour attaquer si on va jusqu'à cet endroit-là. On voit couverture complète, couverture légère, 20% pour la couverture légère, 40% pour la couverture complète. Si c'est rouge, c'est qu'on est flanqué. Assez classique. Et donc du coup, on a deux mecs à gérer. Ils sont relativement similaires à nous, hein, sans PV. On a Martin. Martin, c'est notre personnage principal, qui a 28 AP, alors les autres n'ont que 27. Et on a un Heavy Gunner. Martin, c'est un commando, et on a un Medic. Ok, donc du coup, l'objectif, se débarrasser de ces deux Allemands, mais pour le moment, on n'est pas du tout bien placé. Est-ce qu'il y a des endroits... Donc toi, tu pourrais déjà venir ici. Ce qui serait pas mal, ce serait que notre Heavy Gunner, il tire éventuellement. On a un loot ici à aller chercher, deux grenades. On va aller le chercher avec quelqu'un d'autre. Donc, assez classique, on peut choisir de tirer. On peut choisir de faire un Overwatch, de mettre fin à notre tour. On peut se plaquer au sol, ça nous coûte 14 points d'action, c'est pas gratuit.
Attention à ça. Pareil pour l'overage, coûte 18. Et quand on tire, on peut éventuellement, si on a suffisamment de points d'action, choisir de viser. On voit qu'on a un viseur là. Selon notre classe, notre armement, les bonus éventuels, etc., on va pouvoir faire un clic droit pour ajuster notre visée, augmenter nos chances de toucher. Et ça nous coûtera bien sûr plus cher en points d'action. Pour le moment, on va tenter un tir de base, puisqu'on a malheureusement pas mieux. 14 mètres, on aurait 56% de chance de base, il a une couverture légère, on a 10 de dextérité et moins 5 de familiarité sûrement avec notre arme. Donc feu. On l'a touché, c'est déjà ça. On a fait le minimum de dommages, mais au moins on l'a touché. Toi, ce serait peut-être pas mal que tu rushes jusqu'aux grenades. 8 points d'action pour loot, vas-y. Donc les grenades sont des armes puissantes. Hein. D'ici, ils nous mettent une voiture. Si on balance la grenade, ça fait exploser la voiture, ça fait encore plus de dégâts. Néanmoins, comme nous le disait le truc d'intro, on va essayer de garder nos grenades pour plus tard, si possible. Alors là, on a 31%, 44% de base, on a 12% de dextérité avec lui, et là, on a assez de points pour viser. Donc si on vise, le réticule va diminuer, on peut viser a priori jusqu'à 3 fois, et à chaque fois, ça nous donne un bonus de au moins 10%. 51, on va tenter. De toute façon, il faut qu'on les allume. Toi, tu vas te préparer éventuellement un petit flank. Ok, on s'est fait allumer la tronche. Oh la vache! Il se fait péter le cul, le médic, là. Ah oui, il lui reste déjà plus rien, quoi. Alors, attendez. Donc, on va voir classique un inventaire. Moins 15% de hit chance et 2 points d'attaque supplémentaires, donc c'est pas fait. On n'a pas de casque, on a un couteau de base. Un quick slot, mais on n'a rien. Pour le moment, on a juste des munitions. 1765. Ouais. On est en mode un peu à poil. Donc bah du coup, toi... Alors j'ai presque envie du coup quand même de balancer une grenade. On va voir comment on arrive à s'en sortir avec les autres. Alors on va progresser par là avec toi. Et là, on peut toujours pas focus notre tir malheureusement. Ouh, on a explosé la bagnole. Ah bah ça c'est parfait. On l'a raté mais on a pété la caisse. Donc une bonne chose de faite. Du coup, j'exploite pas encore super bien les petits effets autour là. Alors, on pourrait aller le flanquer, mais comme je disais la dernière fois, le tuto il est là pour vous foutre un petit peu dans le tuto à la microprose. Donc en fait, la dernière fois, j'avais essayé de flanquer. Sauf que derrière, les mecs arrivent en renfort. Du coup, en gros, quand vous en avez fait ces deux-là, le tuto va nous dire ah, maintenant, vous pouvez soit vous barrer tout là-bas, soit essayer de combattre héroïquement les gens qui s'approchent. Et si on combat héroïquement, bah forcément, on en chie. 39, c'est tellement mauvais. On le rate, ok. Alors, Max. Max qui est plutôt dans le mal. On va le replier, Max. Replie-toi, Max. Parce que 5 PV, t'es pas bien, quoi. Alors, on pourrait éventuellement courir jusqu'ici pour préparer la prochaine action. Là, on a un petit 80% avec toi. On va se rapprocher là et on va tirer. On est à combien? 43 et on peut viser une fois. 53%. Ok, on l'a touché. Toi tu vas te mettre à couvert et bah toi tu vas rien faire donc tu passes ton tour. Ah putain, 48 dommages ils ont fond. Ils ont un équipement de base mais il est déjà sacrément plus costaud que notre équipement de base à nous. Hein. Alors je vais essayer de faire un tir avec lui.
Non, on le rate, dommage. Sinon, je me repliais avec le mec qui était en flanque, mais du coup, il va falloir qu'on se le fasse. Il a l'air d'avoir un malus. Ah, il est en panique. Excellent. Il panique. Alors, je sais pas exactement ce que ça fait quand il panique. Mais on va chercher le 100% de chance de toucher. Hein. Peut-être le 91 pour avoir un petit peu de points d'action pour éventuellement se replier. Il nous reste 20 PV. On va se mettre là. Et toi, tu passes ton tour. Et toi, tu Hunker Down. Alors, je sais pas ce que c'est que la jauge bleue encore. Je pense que ça doit être un genre de morale. Ou peut-être que c'est des points d'action et que quand on prend des coups, on perd des points d'action. Alors lui, c'est un commando, mais il était docteur dans l'origine. Il déteste les nazis. Ok, donc signe de morale dans le camp tombe à 0, il restera. Donc on va avoir une gestion de campement, d'équipement, de personnages et compagnie. Hein. Et lui, il est immunisé, enfin il est bien protégé contre les maladies. Donc on a tout un tas de skills, on a des attributs assez classiques. Pour le coup, il semble avoir tous les mêmes traits, nos trois personnages de base. Bon, j'imagine que c'est un peu scripté pour pas qu'il s'enfuit. Allez, 63%. Voilà, parfait. C'est l'heure de sortir. Donc comme ils nous disent, hein, quand vous êtes surchargé par les ennemis, parfois il faut mieux s'enfuir, on va dire, voilà. Mais ça peut être une bonne opportunité de montrer votre bravoure et de devenir une légende. Et donc on aura moyen de voir plus de tutoriels avec le tutoriel bouton qui est en dessous la jauge de vitesse. Du coup, là vous voyez, ah coucou, il y a des ennemis qui arrivent en masse. Donc on va pas jouer, les mecs qui brave et compagnie. Hein. On va se barrer. C'était quand même notre objectif à l'origine. On va gagner une case ici. Alors est-ce que je peux sortir directement là? Ok. Et de toute façon, il y aurait 6 PV, donc... Non, 24 PV. Je sais pas ce que c'est que cette force-là. Avec les autres, on va faire profil bas et encaisser. Normalement, je pense qu'il devrait pas avoir les points pour nous attaquer, là. Putain, il y en a même un là, quoi. Qui arrive carrément pour nous flanquer. De toute façon, c'était la thématique de la cinématique de début, hein. On était complètement en sous-nombre, il fallait qu'on se replie. Alors, les gardes Linka. Ok, ça c'est vraiment la milice de base. Des unités paramilitaires. Ils sont entraînement pauvre, armement pauvre, équipement pauvre, et ils peuvent paniquer rapidement. Donc du coup, nous, on s'arrache. Hop. Notre objectif, hein, ça j'ai pas montré, mais on a les objectifs de mission. Alors, tuer les renforts ennemis, j'ai pas encore le niveau, je pense. On va y aller en mode, voilà, on s'arrache. Hein. C'est notre objectif. How did it go? Did you get the plans? We've got nothing. There were too many of them. That information was good for nothing. He's right, Commander. If it weren't for Martin, we'd be lying face down in the mud. We should go. Let's go. Allez, on s'arrache avant que ça soit la merde. Martin, get in. Bon, notre mission a été un échec. Martin, I'm glad you made it out of there on your own. I suspected something was wrong from early morning. Another group was supposed to support you there, but they've been silent since yesterday. OK. Sans savoir des renforts, mais ils ont disparu. I suggest you don't even unpack and go check it out with the guys. Et il veut qu'on aille à leur recherche. If something goes wrong there, don't play heroes. Everything seems to be going to hell lately. You might not be so lucky next time.
Be careful, Martin. Do you hear me? Now off you go. Bon, ils veulent qu'on aille voir ce qui est devenu, ce que sont devenus les mecs, mais sans trop sans jouer au héros ou quoi que ce soit. Alors du coup, est-ce qu'on a des choses avec lesquelles on peut interagir ou on a juste la mission? Alors, en Bohème, trouver ce qui est arrivé à la deuxième équipe. Une deuxième équipe était à l'origine envoyée pour nous supporter, mais ils ne sont jamais arrivés, ce qui a fait que notre mission a échoué. Il faut essayer de suivre leurs traces et trouver ce qui leur est arrivé. On n'a pas de récompense particulièrement. On ne peut pas ouvrir d'inventaire ou quoi que ce soit, donc on y va. Alors, il faut que nos trois personnes survivent. Ok. Et on n'a aucune information. Et bah go. On va les trouver, visiblement. Bon sang, maintenant, on sait ce qui leur est arrivé. Ils sont tous morts. Attendez. Il y avait normalement 4 hommes, mais je vois seulement 3 corps. Vérifions la voiture. Ouais, c'est vrai que la voiture a l'air d'avoir un prix un peu cher. Je ne vois personne à l'intérieur. Peut-être qu'il est quelque part aux alentours. Il y a un ennemi. Fermez-la et mettez-vous à couvert. Alors, c'est une mission d'attaque. À la fois, le joueur et les ennemis commencent cachés. Ah, les ennemis vont être cachés. Excellent. Oh la vache. Ça va être la violence. Alors, il faut suivre l'objectif principal pour terminer la mission. Si on marche sur une tuile de détection, on alerte l'ennemi de notre présence et on désactive l'état caché. De l'unité seulement qui est apparue. Ah d'accord, ah ouais, ah oui, on va... Ça c'est nouveau par contre. En général, quand dans ce genre de jeu, quand on est détecté, tout le groupe est détecté. Mais non, là, c'est que l'unité qui est détectée qui est révélée. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on peut envisager... d'attirer les ennemis pour les contourner, ce genre de truc. Et derrière un ennemi, il y a un cône de tuiles de furtivité qu'on peut traverser de manière safe. On peut les utiliser pour arriver derrière l'ennemi et avec un couteau dans le slot approprié, on peut se débarrasser de l'ennemi silencieusement. Très bien. Intéressant. Alors, pour le moment, on voit un mec ici, un autre là. No ammo. Sérieux, on n'a pas de munitions? Reload ammo for the inventory. I'm ready. Ah la vache, les mecs, le mec il commence avec son flingue à poil, quoi. Sérieux. Et on est toujours blessé, hein. Ah oh, putain, on est toujours blessé, quoi. C'est ouf. Ah, et on a toujours nos PV en moins et tout. Oh là là. Ah oui, quand il disait unpack pas et fonce, c'était vraiment go, quoi. Même pas un petit pansement en avant à l'arrache. Ok, ok, ok. On pourrait mettre une baïonnette et une lunette, mais on a que dalle. On a 20 munitions. Alors, qui c'est qui a pas de munitions? Toi, t'es à sec. Alors, comment on recharge? On glisse dépose? Non. Est-ce que je peux clic droit? Si je clique droit, ça le sépare en deux, ok. Et toi, il te reste 2 balles. Putain, quel enfer. Ah non, ça c'est pour décharger, merde. Non, c'est pas ce que je veux faire, c'est l'inverse. Comment est-ce qu'on recharge? Je mets là. Alors, je suis en train de consommer mes points d'action, là, comme un con. On va trouver comment on recharge, et après, on... Alors, attendez. On restartera la mission, je pense, pour repartir de zéro. Est-ce qu'on a... un rappel des touches? Je dirais pas... Nanana, ok. Tutoriel. Mouvement, caméra, habileté. Oula, c'est en check. La vitesse de jeu.
Ok, la jauge bleue, c'est le will, le moral, donc. Si ça tombe à zéro, il panique, très bien. Donc si on fait, s'il panique, il reste en panique pendant un tour. On peut soigner une unité ou utiliser le cri de guerre, le perk de cri de guerre pour le baisser. Si on détruit des ennemis, on en regagne. Ok. Shooting, using grenade, looting. On peut recruter. Est-ce que quelqu'un de nos alliés peut être recruté? Pendant l'émission, du coup. Et on peut choisir de ne pas la recruter, d'accord. Exit point. Les objets interactifs. Un petit minigun, ça peut être cool. Les pénalités sur les objets interactifs. Ok, si on n'a pas les bonnes compétences, on va avoir des malus. Genre, si on est un médic et qu'on utilise un machine gun, on sera moins efficace que si on est un heavy gunner. Très bien. On est caché. Les dissection team, on a vu. Les objectifs, on a fait le tour. Ok, très bien. Et ça, c'est le menu. Mais comment on recharge? Ah, là, il y a R. J'avais pas vu. Putain. C'est reload ammo for the from the inventory. Je pensais qu'il fallait aller dans l'inventaire pour le faire, mais non. Ok, d'accord. Attendez, on va redémarrer la mission. On va redémarrer la mission. Je peux passer ça. On dirait pas. Je peux faire espace pour aller plus vite. Ok, bon, première chose à faire, recharger. Le début de mission qui commence bien. Reload. Voilà, au moins on est prêt. Ça nous a coûté combien de points? Je vois pas trop. Ici, pareil, on a deux balles, donc on va reloader. Et toi, t'as un couteau. Alors du coup, on pourrait tenter de venir dans son dos. Alors si on passe là, on est révélé. Mais on n'a pas de warning, hein, attention. Hein. Il faut y aller à l'ancienne, quoi. Ok, tu vas venir par là. Partons du principe qu'on a un malus de toucher parce qu'on est blessé, mais que au moins on... Ce qu'on peut faire. On peut faire halte pour tout cacher, mais j'ai pas l'impression que je peux faire de chemin. Ce qui veut dire qu'il faut que j'aille par là. Ah putain, je peux même pas attendre la zone là-bas. Moi, je voulais faire le tour pour aller le gérer, monsieur là, mais. Toi, tu vas aller te planquer derrière cet arbre. Et ça ira bien. Ok, lui, il se retourne. Lui, c'est un. Il a l'air d'avoir un PM. J'aime pas trop l'idée. Alors, est-ce qu'on peut dire. Tac. Ok, non, il faut que j'aille derrière lui, semble-t-il. Et ça me coûte 8 points. Ah, il pose son fusil, excellent. Et j'imagine qu'après, il faut qu'on se replie. Voilà, parce que sinon. Hein, le jeu est du genre à nous laisser dans la mouise. Hein. On est bien d'accord. Ok, on va courir jusqu'ici avec lui. Et notre heavy gunner, on va le faire progresser, je pense. On en a vu un autre là? Ah, il y a un autre mec ici. On va le faire progresser jusque-là. Ah, les ennemis qui patrouillent, ça sent le. Ça sent l'arnaque de. Ils se retournent au dernier moment. Ok, il faut tuer tous les ennemis pour. Libérer le survivant. Là-bas, il y a une voiture. Là, c'est le bord de map. Il y a une petite casemate des familles. Un nid de mitrailleuse, mais a priori sans mitrailleuse. Là, je fais halt. Et ça, c'est pas en surbrillance, mais je pense qu'il va y avoir des trucs à looter quand même. Donc, toi, vas-y, progresse jusqu'à la maison. Jeter un œil. Ah, là, il y a des trucs de médic. Parfait. Du coup, on va amener le médic. On va le faire rentrer peut-être par la fenêtre de derrière, on verra. Et toi, 26 AP, donc on pourra même pas lui mettre un coup de couteau si on fait ça.
On va aller jusqu'ici. On va espérer qu'il va faire le tour de la petite maison plutôt que faire des conneries et genre nous regarder d'un coup. Voilà, parfait. Bon, on est dans le dos de lui, là. Alors, si on va jusqu'ici... C'est pas mal, hein, parce que les actions se barrent en bas quand on ne pourrait plus les faire. Là, on aura de quoi lui mettre un coup de couteau. On a spot un autre ennemi encore. Ok, lui, il est en train de regarder je ne sais quoi. On va éliminer son pote. Target is too far. Bah non, on est juste à côté. Ah putain, il faut que je sois vraiment dans son dos. Bon, ça va, j'ai suffisamment de points. On va essayer de se replier là avec les points qui nous restent, si on peut. Non, ok. Ça veut dire qu'on va se mettre du coup plutôt par là. Alors, lui, il regarde par là-bas. Donc, il est surveillé probablement par celui-là. Mais ça a l'air d'être plutôt calme. Alors, toi, est-ce que tu peux aller looter ça? Non. Donc, du coup, c'est Krazel qui va y aller. Vas-y, rentre. Loot-nous ça, ça fera pas de mal. Alors, les medikits, hein, les bandages sont utilisés pour arrêter le saignement. Et ça restaure un petit peu de santé. Si on arrive à soigner avec succès quelqu'un, c'est-à-dire qu'on peut se rater, ça enlève le mode paniqué. Et les médecins sont bien sûr mieux entraînés et on arrive toujours à soigner. Ok, ça c'est cool. Les non-médics ont 50% de chance de succès. Très bien. Avant de l'utiliser, il faut le placer dans l'emplacement secondaire ou le quick slot de l'inventaire. Très bien. Du coup, toi... Alors, est-ce que l'inventaire est partagé? Non, bien sûr. Ils ont tous leurs munitions. Par contre, ils sont suffisamment proches, on dirait, vu que lui est grisé, il est trop loin. Mais là, ils sont suffisamment proches pour pouvoir se passer des objets. Est-ce qu'on peut avoir un résumé un peu de ce que ça fait? Non. Tu peux le passer à lui? Comment ça se passe? Ah non, on dirait qu'on peut pas le passer. C'est grisé, mais c'est pas si simple que ça. Ok. Pas très grave, on va aller jusque là avec lui. Surveiller le coco qui est là. Est-ce qu'on voit d'autres loot ou d'autres ennemis? Pour le moment, non. Nos ennemis n'ont pas laissé tomber de loot. Hein. Donc toi, bah, j'ai envie de te dire, essaie de te rapprocher de la porte, tant qu'à faire. Et lui, il peut plus rien faire. On s'arrête. L'autre, il est en train de lire son journal. Et on voit pas d'autres ennemis. Alors là, si j'y vais comme ça, il va me voir. Pas le choix, faut que je passe par derrière. Ouais, on a spoté un autre ennemi. Où ça? Ok, lui, il nous tourne le dos. Alors là, du coup, si je vais dans son dos, j'aurai pas assez de points. Donc je pense qu'on va Hunker Down ici pour lui. Et du coup, je peux pas sortir de la baraque et me préparer à lui mettre un petit coup de... Ah, mais elle est barrée, la baraque. Je peux pas l'ouvrir, la porte, là. Ah non, je peux pas ouvrir la porte. Bon, ok, demi-tour. On sort. On sort, on sort. Et toi, mon cher, tu vas essayer d'aller par ici. Alors, partir en éclaireur avec le mec à qui il reste 20 PV, je sais pas si c'est une idée du siècle, mais bon. J'aimerais savoir c'est quoi le petit 7, le petit 5, là. Est-ce qu'on a ça dans la description, le point? Mêlée, burst, machine, médecine, explosion, intelligence... Non, on l'a pas. Médic, current AP... Je sais pas ce que c'est que le petit... La jaune... Ouais, la zone bleue, c'est le wheel. Mais je sais pas ce que c'est que le point. Un genre de dextérité, lui il a 7. Lui il a 5. Lui il a 5. Si je bouge, je reste à 7. Ouais, je sais pas ce que c'est encore. Ok. Alors on va aller poignarder celui-là. Lui il continue de pas nous regarder. Bon, on est dans la deuxième mission. On va dire que ça va. Vas-y, le petit coup de couteau. Je suis sûr que... Je savais parce qu'on la voit dans une cinématique.
dans un des trailers du jeu, on pourra apprendre à lancer notre couteau avec certaines classes après. On va se recacher là. Ah tiens, on voit non seulement on voit le garde, mais on voit un autre mec aussi. Très bien. Alors là, est-ce qu'on peut se faufiler sans être détecté? Oui. Oui, on pourrait se faufiler sans être détecté. D'abord, il faut qu'on aille jusqu'ici. Toi, tu vas aller par là. Pas d'ennemis. Et a priori, pas de loot dans ces caisses-là. Ok. Très bien. Est-ce qu'on pourra passer avec les barbelés, là? Oui, on peut passer par-dessus. Excellent. D'abord, on va se débarrasser de lui. Alors, il faut que j'aille là. Puis là. Et je peux aller dans son dos sans être vu. Ah, lui, il se fait pas chier. Il pose pas son fusil. Il y va direct comme un sac. Très bien. Donc là, du coup, si je vais jusqu'à lui, c'est trop loin. On va se mettre juste là. Ça, s'il se retourne, on est quand même en bonne position. Et toi? Ils nous ont laissé aucun loot. Hein. J'aurais bien voulu choper peut-être un fusil un peu plus efficace. Mais bon, ça n'a pas l'air d'être à l'ordre du jour. Donc on va se planquer en cas de besoin derrière nos sacs de sable. Parce qu'on n'est pas à l'abri qu'ils décident de se retourner. Hein. Ok. Vas-y. Il n'y a rien dans la casemate. Hein. Il y a l'air d'avoir des caisses, mais ça c'est pas en surbrillance, donc ça doit être clean. Allez, on tue le dernier a priori ennemi. Ah, et on a un petit niveau. Ta-da ! Excellent. Alors, le survivant, qu'est-ce qui s'est passé ? Oh, vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis content de vous voir. Ils m'ont capturé... Et on attendait pour mon transport vers un interrogatoire, mais heureusement, vous vous êtes montré. Tout va bien maintenant, mon gars, on est ici pour vous sauver. Je suis désolé qu'on vous ait laissé tomber, je suis désolé qu'on n'a pas pu vous couvrir. Les Krauts nous attendaient ici et nous ont découpés en morceaux, tout le monde est mort. Oui, on a vu ça, c'est terrible, les pauvres gars. Mais ce n'est pas le bon moment pour se lancer dans une grande conversation. Je te détache rapidement et on s'arrache. Ça me paraît une bonne idée. 100% de chance de shot. Enfin, 100% de shot réussi. Normal. Tous les joueurs gagnent 200 XP de base. Excellent. Et du coup, on a une nouvelle recrue. 36, un sniper level 0. On commence level 0. On va l'accepter, bien sûr. Ah, on peut pas restart si je l'accepte, tiens c'est rigolo. Et du coup, on retourne à la base. Parfait. Notre commandant. Martin, you've done a good job. But it's over for you here now. What are you saying, Commander? It's over for you here, but you're gonna start over elsewhere. Ok. I don't understand. It's time to take your share of responsibility. On prend une petite promotion cadeau. Our base will be exposed soon. It's time to move. And you will be the new commander. But commander, I... You've demonstrated commanding abilities. You're young, vigorous, and have the respect of the men. It's an order, Private. Your place has already been chosen. Carl and Max are going to help me shut it down here. They'll join you later. Don't worry about me. We will stay in touch. Dismissed, soldier. Ok, on est en charge de monter notre propre base, et ici ils s'attendent à se faire démonter, du coup. Enfin, j'espère pour eux qu'ils vont réussir à se barrer avant d'être vraiment détectés. Alors, un nouveau départ. Qu'est-ce que c'est que ce drapeau? Alors, bienvenue à votre camp de base. On peut recruter, armer et soigner nos unités et les envoyer en mission. Ah, on va avoir vraiment tout ça comme zone de combat. Waouh. Ok. Donc il faut qu'on entre dans la vue de map et qu'on sectionne une zone. Très bien.
Les missions apparaissent à certaines dates. Pensez à faire reposer vos unités. On peut améliorer le. Enfin, on peut accélérer le temps jusqu'à la prochaine mission. Ok. Alors, on peut recruter dans le cabinet icône. On peut envoyer jusqu'à 6 unités en mission. Et on peut modifier notre équipe en allant dans la War Room. Parfait. Les ressources. Alors, on peut avoir de l'argent en complétant des missions, en vendant des objets ou en demandant à nos alliés. La nourriture et les médicaments peuvent être gagnés en complétant des missions classiques ou en demandant à nos alliés. Et on peut éventuellement trouver de la nourriture dans les expéditions. Je baisse un peu le son, je crois. La plupart des bâtiments... Enfin, des matériaux de construction, donc le tissu, l'acier, les outils, le verre et le carburant peuvent être seulement gagnés quand on fait des missions spéciales d'entrepôt. Et on peut aussi gagner du bois. Ok, on va avoir plein de ressources. Alors, vous pouvez envoyer vos hommes en expédition pour avoir des ressources additionnelles. Deux types d'expéditions, la chasse et le bûcheronnage. Chaque type a ses préférés, ses attributs les plus efficaces qui influencent les chances de succès, le nombre de ressources et principalement déterminé par la taille de l'expédition. Ok, très bien. Alors, pause, on se détend. Le truc il démarre direct quoi. Déjà, le son. Je vais baisser un peu parce que ça me semble quand même plutôt fort. Alors, on a notre Ed Carter, on a un baraque... On a une single tente, ok. Et on a une warehouse, avec un peu de bois et un peu de matériaux de base. Empty building slot, ok. On va pouvoir envoyer des gens en expédition. Alors là, c'est nos chances d'avoir de la maladie. Donc pour l'instant, c'est pas très élevé parce qu'on n'est pas en hiver, mais on dirait qu'on va avoir à gérer l'hiver, parfait. Et le moral est pas ouf parce qu'ils ont pas de quoi manger. Et on peut l'améliorer en faisant des douches et des toilettes, parfait. Alors Max nous dit, construisez une tente médicale le plus vite possible. Vous pouvez assigner une recrue qui n'a pas la bonne profession à Warplace, mais ça donnera pas de bonus. De temps en temps, vérifiez les indicateurs en haut de l'écran. Ça nous donnera une idée des événements. Ok. Vos hommes commencent inexpérimentés et non entraînés. Ce qui fait que l'ennemi a la main haute. Faites attention à vos attaques jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'expérience. Si on change les armes des hommes trop souvent, ils gagnent pas de familiarité avec leur arme. Ok, donc la familiarité c'est vraiment ça, c'est l'habitude de leur arme. Ne perdez pas de bois à chauffer pendant les jours chauds. S'il fait trop chaud, le moral va tomber. Gardez en réserve votre bois, surtout pour l'hiver. Et salut Alastre, bienvenue sur le live, j'espère que tu vas bien. Attention au moral, les hommes peuvent partir si le moral est trop bas. On peut mettre la réparation d'armes et le soin automatique si on a suffisamment de ressources. Comme ça on n'a pas besoin de s'en occuper. Attention aux attributs des armes. Chaque arme a différentes portées et efficacités. On peut avoir des matériaux de construction en lançant des raids sur les entrepôts ennemis. Et on aura des missions spéciales pour ça. Ok, très bien. Parfait. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Nos soldats. Ok, donc on a nos 3 mecs de base, nous-mêmes inclus. J'imagine que si on meurt, on perd, hein, peut-être un truc du style. Et on a le sniper qu'on a recruté. En termes de ressources, on a un petit peu de tout. C'est rare d'avoir du verre dans les ressources. T'es en week-end devant un bon stream, comment ça pourrait aller autrement que bien? Eh bah écoute, c'est très gentil de ta part, ça fait bien plaisir. Alors pour l'instant on a notre quartier général et notre baraque. Oh, il y a encore plein de trucs. Alors ça c'est quoi? La map view. Ok. Waouh. Donc nous on est là, hein, en plein de bohème là. Pour l'instant, a priori, il n'y a pas de mission en cours, donc j'imagine qu'il faudra qu'on passe le temps. Upcoming. On n'aura plus de bouffe. Le 27 juillet 1941, on est le 20 juin. Ok, on a un mois de nourriture.
et 15 jours, enfin 3 semaines de médicaments. Parfait. Il n'y a pas de mission. Ok. Les soviets, c'est 20%. Et les alliés de l'Ouest, c'est 20%. Ça va pas ouf. Tu vas faire la guerre en Ukraine? Bah pour l'instant non, puisque l'Ukraine est, fait partie de l'Union soviétique à cette époque-là. Et que nous, on est plutôt en côté de la, du côté de la Tchécoslovaquie. Alors je l'ai pas dit d'ailleurs, mais cette semaine, c'est le festival des jeux tchèques sur Steam. Ils font ça tous les ans pour l'anniversaire justement de la... du moment où la Tchécoslovaquie est devenue la République tchèque en 1989, et également pour commémorer justement les rafles de 1939, qui sont passées plus ou moins au même moment. Enfin, au même moment, à des années de différence, mais en novembre, quoi. Du coup, il y a plein de jeux en promo de studios tchèques. Alors, il y a du Soviet Republic, il y a du The House of Da Vinci Code, il y a Nabuchodonosor aussi. Il y a tout un tas de jeux, donc si vous voulez faire un tour sur Steam, c'est mis en avant, hein, vous pouvez passer par soit la page du jeu qui est en description, ça vous emmènera dessus. Puisque c'est un jeu fait par des Tchèques. C'est pour ça que ce front-là est à l'honneur. Ça change un peu, franchement c'est un truc qu'on voit assez rarement. Hein. On voit quand même beaucoup tout ce qui est France, débarquement, etc. Un petit peu le front de l'Est, éventuellement un petit peu sur des jeux un peu plus avancés... ce qui se passe du côté de, du Maghreb ou éventuellement du Liban et compagnie. Mais là, en plein centre, en pleine République tchèque, c'est quand même assez rare. Alors, comment je sors? Live map. Ok. Donc là, on peut recruter. Là, on a quoi? La station radio. Ok. Il faut qu'on mette une recrue et on peut demander des infos. Contacter plein de gens. Et il n'y en a personne de qualifié ici. Ok, très bien. Donc on pourrait mettre quelqu'un, mais il n'aura pas de bonus. Ok, très bien. Là, on a quoi? Management. Ok, ça c'est genre la, la recherche, j'imagine. Ce bâtiment est le cœur de votre base. Tout ce qui est important se passe ici. On peut regarder l'état des régions du monde sans envoyer nos unités en mission. Ou recruter des nouvelles unités, ok. Donc là par exemple, je peux construire des toilettes pour 25 de bois, 60 de tissu et 50 d'outils. Je peux améliorer mon bâtiment. Ok, donc ça c'est vraiment pour améliorer le headquarter, mais on n'a pas assez. On peut construire un poêle, mais pour le moment il fait chaud. On peut construire des douches, mais pareil, on n'a pas. Pour l'instant, on peut construire que des toilettes, avec les ressources qu'on a. Ce qui est plutôt bon pour le moral, hein. Et on a vu que c'était bon aussi pour l'hygiène. Donc on fera certainement ça, mais on va d'abord regarder un peu ce qu'on peut faire d'autre. On va regarder niveau recrutement. Ok, donc on a nos troupes. Mais on n'a pas de recrues disponibles. On va pouvoir faire leur niveau. Très bien. Putain, ils ont rien pris comme soin. Le mec est toujours blessé et tout. Oh, le truc qui commence bien, quoi. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? La baraque. Ok, on peut mettre des unités dans notre baraque. Il nous reste deux lits. Très bien. J'imagine qu'on peut l'améliorer. Ah oui, il va falloir qu'on construise un poêle aussi dans le baraque, putain. Et on a déjà le nombre maximum de lits, semble-t-il. Ok, donc on a une baraque niveau max en lit, par contre, derrière. C'est pas ouf. Et donc cette tente-là, c'est quoi ? Ok, la tente, pour l'instant, elle est vide, mais on peut mettre, j'imagine, un mec là, si jamais on a trop de trucs. Si on clique ici, on peut construire des choses, ok. Baraque hospital, on va pouvoir faire une cuisine. Qu'on ne peut pas faire pour le moment. Une station de radio, pour avoir des meilleurs contacts avec le monde extérieur. Un champ de tir. Alors peut-être qu'on peut pas le faire parce qu'il faut la bonne zone. Genre ici, on peut faire le champ de tir, ouais, voilà. Oh la vache, ouais, ça nous permet d'entraîner passivement nos mecs, mais par contre, il faut avoir suffisamment de munitions, quoi. Ok, donc ici, on peut faire ces trois bâtiments.
Ici, on peut faire ces trois bâtiments. Ici, on peut faire la cuisine. Ici, la station de radio. Et ici, ces trois bâtiments. D'accord. Et ici, pareil. Ok, donc en gros, on va pouvoir construire une armurerie, un hôpital, et après, potentiellement, trois baraques. Armurerie, hôpital, et une, deux, trois baraques. Ok. Potentiellement. Ici, champ de tir, cuisine et poste de radio. Et on peut envoyer des mecs en expédition. Hunting small, wood cutting. Ils reviennent dans 3 jours. 60% de chance de succès. Ok, alors on va faire nos niveaux. Parce que quand même, on commence avec des mecs niveau 0. Alors, comment je fais pour voir mes soldats? Il faut que j'aille... dans un des bâtiments, du coup, il faut que je passe par là. Alors, perk tree, caractère panel, inventory, c'est parti. Ça, c'est vraiment le caractère panel. L'inventory, est-ce qu'on peut... Ah, on a des, on a de l'équipement de base. Excellent. Donc toi, déjà, tu vas mettre ces trucs-là. C'est pas la même chose, ça. Small medikit, small medikit. Ah si, c'est pareil, mais on peut pas les stacker au-dessus de 2. Et le bandage. Ok, et on va filer ça au medic. Donc le medic, il va lâcher sa grenade. Hein. Rends la grenade, medic. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Des tools. Ah, utilisables par les sapeurs. Des couteaux de lancer. Des mines. Weapon. C'est cool, quand on passe une arme, ça surligne les munitions. Waouh, plein de trucs à gérer, c'est très cool. Du coup, le médic. Prends-nous quelques medikits, et tu pouvais aussi mettre des bandages dans ton quick slot, donc go, vendu. Et on va faire les niveaux. Les grenades, c'est bien pour le soigneur, ouais, je pense que c'est exactement le truc qu'il lui faut. Alors, on a un niveau. Notre commando, qu'est-ce qu'il peut faire? On peut avoir une autre arme à deux mains dans le spot secondaire. Ok, pas mal. On peut porter plus de poids avant d'être encombré. Oui, parce que bien sûr, on peut être encombré. Plus d'XP. Ouais, ça c'est toujours le must. On voit qu'il y a différents niveaux, hein, quand même. Pour certaines compétences. Ignorer une partie des pénalités causées par les blessures. Si on peut éviter d'être trop blessé, ce serait bien. Et là, on a la capacité de détecter les tuiles qui sont dans la ligne de vue des ennemis. Ok, intéressant. Alors j'imagine que ça change, ouais, voilà. Lui, il peut avoir le double barrel aussi. Il a un Iron Man qui fait qu'il ne peut pas saigner. Là, on peut monter son max d'HP. Et ici, on arrive à sortir plus de choses des medikits. Très bien. Les grenades pour cautériser à l'explosif, ouais, pourquoi pas. Et lui là, Heavy Gunner, ça va encore réduire sa pénalité quand il utilise un Heavy Gun, ok. Et il peut avoir No Pain No Gain, mais après. Bon, là ça c'est notre personnage principal, donc je pense qu'on va prendre le bonus d'XP. Je sais pas trop si jamais il meurt, si on perd la partie, mais dans le doute. Il a un petit peu d'expérience en mêlée. Parce que j'imagine, j'ai fait pas mal de mêlées là pour éliminer les ennemis. Toi, tu serais peut-être bien avec un deuxième arme à deux mains. Plus de poids. On va voir. Bon, toi, on va te donner le truc de soin. Ça me paraît pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arme? Une Browning. Ok, ça c'est du Heavy Gun, donc du coup, ce serait plutôt pour toi. Mais il a quand même 60% de hit chance penalty de base. Waouh! Donc en fait, tout le monde a 60% de chance de penalty, sauf le Heavy Gunner, mais le Heavy Gunner, il a 60% de chance
sauf si on lui file les points d'XP pour qu'il ne les ait pas. Oh, le jeu va être dur, putain. On a un petit Sten MK2 et on a un Nagaon ici. Alors, notre sniper, il est à poil. Non, il n'est pas à poil, il a un Mauser. 0% de familiarité. Bullet type, range 22 mètres. Range 18 mètres, ok. Du coup, ce truc-là est un petit peu mieux pour un sniper. Enfin, ça tire un peu plus loin, on va dire. 3 mètres plus loin. 20-50 de damage. 4 de poids. 4-10 de poids. C'est relativement similaire, hein, le Mosin Nagaon 91 et le Mauser K98. Donc, je pense qu'on va lui laisser ça. Notre commando, j'ai bien envie de lui filer un Sten. Sachant qu'il va falloir lui filer les munitions qui vont avec, bien sûr. Ah, il a 75% de capacité, par contre. Donc ça, il te faut ce genre de balles. On va t'en filer un coup. T'as 32 balles dans ton chargeur. On va en prendre 50. T'as un couteau. Est-ce que je te donnerais pas des petits couteaux de lancer, par exemple? Et un flingue pour le courte portée. Ça me paraît un bon équipement de commando, ça. Le heavy gunner, on va lui filer de la grenade. Et du coup, bah, on va lui filer la Browning, hein. Alors, ça serait peut-être bien qu'il ait quand même un autre flingue que ça. Est-ce que je peux mettre ça là? Ouais, on va quand même lui donner du coup... Ah, non, je peux pas. Oui, là, ça serait intéressant de lui mettre le skill. Alors, du coup, on va peut-être plutôt prendre le flingue et le donner au gunner. Comme ça, il aura sa grosse Browning, mais quand même la capacité de tirer en cas de besoin. Par contre, il va lui falloir des balles. Remove, ça va être pour vider l'inventaire, ça. Donc on a un couteau, on a un uniforme de camouflage qui ne sert à rien. Parfait. Des mines. On va éviter ce genre de truc pour le moment. Le sniper, du coup. Alors il a que 10 munitions. On va lui enfiler un peu plus. Il a pas de couteau, par contre il a un super petit béret. Qui donne 0% de protection contre les explosions. Nickel. Prends un couteau, on sait jamais, ça peut servir. Et du coup, on va te laisser te familiariser avec ce truc-là. Hein. Ça me paraît pas mal. Donc, et toi, est-ce que tu gardes ça? Ouais, t'as tiré aucune balle encore. Hein. On pourrait te filer le Nagaon. Il est à 75%. Ouais, on va te laisser ça. Un peu de medikit. On peut vraiment pas mettre plus que 2. Non, on peut pas mettre plus que 2. Bon. T'as 20 balles. Ça te laisse quand même quelques chargeurs d'avance. Ok, donc notre commando, il a son petit couteau de lancer en cas de besoin. Et donc, toi, on va du coup te filer le heavy gun hein, comme trait. Hein. Voilà, hein, comme ça, t'as plus que 40% de malus. 40% de malus, c'est abusé. 40% de malus, quoi. Il va falloir 3 niveaux avant d'enlever le malus, quoi. Ah la vache. Et là, je peux mettre... Je peux risk quest que dalle. Military help. Il nous envoie... Ah, il nous envoie des soldats, mais pour une durée limitée. Oh la vache. Putain. Ça, c'est quoi? Spy Network 10. Weapon Dealer. Ok, pour 100 balles. Il nous envoie des trucs, mais on sait pas du tout ce que c'est. Là, on demande des informations pour essayer de trouver des recrues. Et on peut envoyer des documents qui ont été récupérés à l'ennemi. Ok. Pour essayer de...
d'améliorer les capacités de notre réseau d'espionnage. Sinon, tout le monde nous aime à 20%, mais de toute façon, on n'a pas de recrues à mettre. On va pas partir à 3 en mission, quoi. Ça sent l'idée de merde. Du coup, on va aller lancer la construction d'une petite, d'un petit hôpital. Je pense. Alors, est-ce qu'il est construit immédiatement? Bien sûr que non. Mais vu qu'on a machin là qui est quand même franchement pas frais. Bon bah je crois qu'il faut enlever la pause puis voir ce qui se passe. On va passer un jour puis on va aller voir s'il y a des choses qui ont bougé. Ok, il se passe un truc. Un message de Londres. Alors, pour supporter vos efforts, on vous envoie un homme pour vous assister. Il a reçu un entraînement correct et totalement préparé pour combattre pour notre cause commune. On va faire de notre mieux pour vous aider. Si vous avez besoin de quelque chose, contactez-nous. Ok, alors du coup, on a récupéré un mec. Il n'est pas arrivé encore. Est-ce qu'il faut que je fasse quelque chose? J'ai pas de recrue. Ok, et du coup, si je prends la radio, Londres... Bon, j'imagine qu'il faut du temps, hein, parce qu'on n'est pas sur un jeu qui va se jouer instantanément, clairement. Hein. Ce serait trop facile, on a déjà vidé nos stocks, quoi. On n'a plus de bois. Alors, on pourrait envoyer des mecs en mission, hein. Mais, tu parles, le mec il est dans le mal. On pourrait envoyer ces deux-là en mission. Weapon Damaged, ouais, bah ouais, je sais, Weapon Damaged, mais bon, qu'est-ce que je vous dise, moi. Je sais pas de quoi construire une armurerie, hein. C'est un peu tôt, là. Il me faudrait quoi si je veux... Ah, je peux faire qu'une seule construction en même temps, en plus. Ok, ok, très bien, pas de soucis, pas de soucis. Tu veux me troller, je troll-moi. J'accepte. Ouais, si j'envoie là... si je décide de les envoyer, tiens, les deux, là. Assigne. Et assigne. On va les envoyer chercher un petit peu de bouffe. Ils reviennent dans 4 jours. Allez, c'est parti. On va essayer, puis on va espérer qu'on n'a pas une mission qui va nous tomber dessus de nulle part. Hein. Même si j'ai aucun doute que si. J'ai pas l'impression qu'il faut qu'on assigne des gens ou quoi que ce soit là, à la construction. Ça a l'air de se faire plus ou moins tout seul. J'espère, parce que je vois aucun bouton en tout cas. Non, peut-être que si je fais hospital, là, non. Alors, Radio Station, un message de Moscou. Ok, il nous envoie l'un de leurs meilleurs camarades. Il a été rigoureusement entraîné et est totalement prêt à combattre vaillamment pour notre cause. La mère patrie se tient prête à nous supporter avec toutes ses ressources possibles. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à nous contacter. Parfait. Camp et vente. Ah, c'est le mec qui nous ont lâché. New Recruit. Nos amis de l'Ouest ont tenu leur promesse et pendant la nuit, ils ont lâché quelqu'un quelque part proche. On les remercie pour cette aide. Enfin, on a accueilli cette aide avec une grande joie et on pense que ça va significativement nous aider dans le combat contre l'ennemi. Maintenant, on doit juste lui trouver des accommodations et lui donner tout ce qui est nécessaire. Ça va aussi booster un peu le moral. On a une nouvelle recrue dans le HQ. Ok. Alors, sapeur, c'est un Aziator. Ah oui, il est déjà entraîné, quoi. On peut voir son niveau. Il est niveau 0, ok. Bah oui, carrément, ouais. Je le recrute, ouais, non, mais oui, bien sûr, je le recrute. Alors, est-ce qu'il faut que je l'assigne à la baraque ou j'ai pas besoin? Non, c'est bon, il y va tout seul. Alors, qu'est-ce que tu fais de beau dans ta vie? Sapeur. Ah non, il est level 2 quand même. Il a juste pas de skill.
Il a quand même deux en shooting, deux en mêlée, un en burst avec les armes automatiques, ok, un en médecine, trois en explosion. Ok, ils ont un origine, un langage, un âge. Il est Weapon Master, le monsieur. Et The UK. Et donc, il vient avec un petit stem. Il vient avec un uniforme Dutch, un helmet qui protège de 15%. Donc, on va pouvoir lui filer ce truc-là. Ça va là, visiblement. Par contre, on n'a pas de couteau. Ce serait bien un petit couteau. Pour un sapeur, on va peut-être récupérer le couteau du snipe. Il est parti où? Il est là. Est-ce qu'on peut renommer les gens? Si je regarde leur caractère panel... Non, on dirait pas qu'on peut les personnaliser. Peut-être que plus tard on aura, mais ceux-là en tout cas au moins sont scriptés. Et on a un World Event. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le World? Les nazis envahissent l'Ukraine. Ah oui, c'est un petit événement. Alors, Berlin, le 22 juin 41. Dans un move sans précédent, l'Allemagne a lancé l'opération Barbarossa. Une invasion massive de l'Union soviétique, 3 millions de soldats allemands supportés par des milliers de tanks et d'avions ont traversé la frontière tôt ce matin. Alors, l'assaut qui est parti de la mer Baltique jusqu'à la mer Noire vise à écraser les défenses soviétiques rapidement. Le Feldmarschall Wilhelm von Lieb a visé Leningrad, le Feldmarschall Fedor von Bock avance vers Moscou directement. Et le Feldmarschall Gerd von Rundstedt avance en Ukraine. Hitler a déclaré que l'invasion était un mouvement préemptif contre l'agression bolchevique. Le fameux mouvement préemptif contre l'agression. Alors, Joseph Staline a appelé une résistance totale, condamnant l'attaque qui était sans provocation. Les réactions internationales ont été plutôt partagées. Avec les UK et les États-Unis qui ont condamné l'agression, bien sûr. Le sort de l'Europe reste in balance. Ok, mais est-ce qu'on a des missions qui sont apparues? Est-ce qu'on aura un truc qui nous dira quand on a une mission? Pour l'instant, non. On dirait qu'on peut rien faire encore. Très bien, donc on va continuer de passer le temps pour que nos mecs reviennent de leur petite session de chasse. Ah, ils sont là, les gars. Excellent. Alors, est-ce qu'ils se soignent? Oh. On peut voir nos ressources. Ok. Capacity, expense. D'accord. Est-ce qu'ils se soignent, nos gars? Est-ce que notre mec, là, il va un peu mieux? J'ai pas l'impression, hein. Il a toujours 27 PV. On dirait qu'il a pu sa blessure par contre. Mm-hmm. Morale à 96%. On dirait qu'au moins sa blessure a l'air d'être relativement soignée. Est-ce que je peux construire les toilettes du coup? Est-ce que j'ai assez de ressources pour construire les toilettes? Non, j'ai plus de tissu. Aïe, hein, on fait des tentes, hein, ça coûte cher les tentes. Hein. Est-ce que je peux peut-être foutre un mec genre... Là, je l'assigne, lui. Il est pas qualifié, si je le fire. Ça l'enlève du building, mais ça le jette pas, on est d'accord. Hein. Genre pour demander des ressources par exemple aux États-Unis. Ah non, c'est fou des médecines. Ah oui, c'est vrai, pour avoir des trucs de... Military help, monnaie... Si on veut avoir des ressources,
Le seul moyen, c'est de faire des raids sur les... Wow. Et on a 100 balles, donc on peut éventuellement faire une demande à notre réseau d'espionnage. Ouais. Wow. On va devoir attendre un peu. Normalement, on devrait avoir le camarade russe qui arrive. On va voir ce que nous propose la mère patrie. Ah, mais on verra ce que nous propose la mère patrie dans le prochain épisode. L'épisode est déjà suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. On va arrêter là l'épisode de VOD. Si vous voulez dire au revoir à la VOD dans le chat, c'est le moment. On va continuer, bien sûr, en live. Faire une petite sauvegarde, peut-être. D'ailleurs, ça fera pas de mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde.